Good morning, allez, Idan et Sussur aujourd'hui, le Nishmat David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucienne Batreina, et Shalom Ben Chmiba, Amram Ben Solika, Marie Myriam, Bat Julie, les Bêtes Berda. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah Kofi de 5 minutes éternelles, nous étions au Sechet Nedarim, Perek Tet, Mishnah Aleph, et Mishnah Bet, Veod Amar Rabbi Eliezer, Otrin Banolad, Vachachamim Osrin, Keitzad, Amar Konam, She Eini Neene, Le Ishploni, Venaasa Sofer. O Shaya Masiet Beno Bekarov, Veamar, il a été Yodea Shunessa Sofer, O Shu Masiet Beno Bekarov, il a été Noder, Konam le Beitze, Sheini Nichnas, Venasa Betekneset, Vamar, il a été Yodea Shunessa Betekneset, il a été Noder, Abelezer Matir, Vachachamim Osrin. On continue à parler depuis la Mishnah, première Mishnah de ce chapitre, on va parler de l'Eter Nedarim. Lorsqu'on prononce un Neder, et qu'après, on le regrette, alors on peut aller voir le Chacham, le Beddin, son Fatarat Nedarim, le Chacham, et on lui dit, il faut lui trouver des circonstances qui vont, selon lesquelles, si j'avais pris en considération ces choses-là, je n'aurais pas prononcé le Neder tel quel. On avait vu dans la Mishnah précédente qu'une une première Mahloguet entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir si toutefois, on va le menacer, on va lui dire, tu savais que c'était une si grave avéra, qu'Hachem n'était pas content de toi, ou que ton père n'est pas content de toi. Donc c'est une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. À présent, on a une nouvelle machloket entre Rabbi Eliezer et Chachamim, parce que potrin banolad ou en potrin banolad. Nolad, c'est quelque chose qui s'est passé ensuite, qui n'était pas prévu. Soit, je prononce un éder le vendredi. Je me suis fâché avec Réhouven. Maintenant, en l'état, avec les données que j'ai sur place, j'ai bien conscience qui est Réhouven, et Réhouven m'énerve, et je veux prononcer le Néder. Mardi, 4 jours après, ouais, on se retrouve maintenant que, finalement, il y a quelque chose qui a changé, une donnée qui a changé, chez Réhouven, qui était un imprévu. Que maintenant, alors là, ça s'appelle quelque chose de nolade, quelque chose qui a été né, quelque chose de nouveau qui s'est passé, qui n'était pas prévu depuis le début que ça allait se passer. Est-ce que c'est une circonstance suffisante pour faire que pour prétendre que depuis le début, si j'avais pris en considération cet état-là, alors je n'aurais pas prononcé le néder. Donc mon néder, il était prononcé d'une certaine manière, de manière erronée. J'avais pas devant moi toutes les données exactes pour prononcer le néder. Ou bien non, au moment où tu as prononcé le néder, les choses étaient ce qu'elles étaient. Après, il y a eu du changement. C'est-à-dire, on ne vit pas avec le futur, on vit avec le présent. Avec les données présentes au moment où tu as prononcé le Neder, tu ne t'es pas trompé. C'est sur ça la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, parce que Potrin Benolad. Par exemple, donc Rabbi Eliezer nous dit, Ovadama Rabbi Eliezer, Potrin Benolad, on ouvre le Neder avec un Nolad, avec une nouvelle cause qui est née ensuite. Chachamim Osrim et Chachamim interdisent. Keitzad, comment se présente le cas? Amar Konam She'eni Ne'ene Le'ishploni. Il a dit par exemple, je veux prononcer un Neder, Konam. Ouais, Konam, c'est un, je pense, un éder. Shaini Neene le Ishploni, que je ne vais plus tirer profit de telle personne. Et ensuite, Venasa Sofer, et après il est devenu Sofer. Alors, Sofer, c'est soit un scribe, ou c'est soit plutôt un Talmid Chacham, Moré Oraot. C'est devenu un Talmid Chacham. Rouven, je me suis fâché, mais maintenant c'est Rouven qui donne le shiur de Dafayomi. Et tous les jours, je vais écouter le shiur de Dafayomi, on a changé maintenant de rap. Est-ce que je peux profiter de Réhouven? Ou bien, est-ce que je peux partir voir le Chacham et dire, hey, si j'avais su que Réhouven allait devenir le Sofer, le Talmid Chacham, je n'aurais pas prononcé le Neder. Ben non, tu vas me dire, au moment où tu as prononcé le Neder, Réhouven n'était pas un Talmid Chacham attitré, donc tu t'interdis de profiter de Réhouven, c'est trop tard, tu te l'interdis. C'est la discussion qui est entre les deux. Et de même aussi, Oshaya, Masiet, Beno Bekao, bon bien, j'interdis de profiter de Réhouven, et puis finalement, une semaine après, son fils annonce qu'il va se marier. Je vais partir au mariage, maintenant je me suis interdit de profiter de Réhouven. Et je prétends que si j'avais su au moment du Neder que Réhouven allait marier son fils plus tard, je n'aurais pas prononcé le Neder. Selon Rabbi Eliezer, c'est une bonne cause pour que le Chacham va annuler le Neder. Selon Chachamim, c'est du Nolad au moment où tu as prononcé le Neder. La donnée n'existait pas. D'accord? Ve'amar, il aurait été Yodéa, Shouna, Asa, Sofer, Oshouma, Sied, Beno. Et après, il prétend, la personne qui a prononcé le Neder, si j'avais su qu'il allait devenir un Talmid Chacham attitré, ou encore qu'il allait marier son fils, Bekarov, si prochainement, Loïti Noder, jamais je n'aurais prononcé le Neder. Ou encore, il a dit, Konam le Baïze, je fais le Neder que je ne mets plus les pieds dans cette maison. Et puis après coup, Venasa Betekneset,
cette même maison, c'est devenu la Beth Knesset, une synagogue. Vamar, il aurait été Yodéa, Shiouna, sa Beth Knesset, l'aurait été Noder. Si j'avais su que ça allait devenir une Beth Knesset, je n'aurais jamais prononcé le Neder. Sur ça, on a donc Rabbi Eliezer Matir, Rabbi Eliezer va permettre le Neder, selon ça. C'est une bonne cause pour que le Chacham va trouver une circonstance à partir de laquelle il va se fonder pour supprimer le Neder. Tandis que Chachamim Osrim, Chachamim interdisent, parce qu'on ne peut pas, parce que les données présentes, actuelles, au moment où tu as prononcé le Neder, elle a pris en considération toute la scène que tu as devant toi, et tu as prononcé le Neder avec les bonnes données. Ce qui est né ensuite, ce n'était pas considéré, parce qu'on n'est pas des devins, on ne vit pas selon la relation ensuite, on vit selon le présent. Et ce qu'il y a au moment où tu prononces le Neder, il te manquait un élément pour prononcer le Neder. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov U'Salah.